Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode sur The Last of Us Part 2. Et on s'était quitté juste ici, juste dans le cimetière de Jackson. Je sais pas si on peut. Non, on peut même pas aller voir. La tombe de Joël. J'enregistre directement à la suite parce que je peux pas. Il faut que je voie la suite, il faut que je sache ce qui se passe. C'est trop. J'ai pas J'espère fait que de vous allez bruit. bien aujourd'hui. Apparemment, Tommy en a pris un. Du coup, Maria a verrouillé les écuries. Putain de Tommy. On trouvera une autre solution en chemin. Une voiture, un cheval, autre chose. Ok. Ça va être beaucoup plus dur d'atteindre Seattle. Alors, ce sera plus dur. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. Je sais. Je veux juste pas que tu te sentes obligée de venir. Ellie. Si tu pars, je pars. À penser tout. J'ai encore les frissons. Je l'ai caché près de l'entrée est pour qu'on puisse s'éclipser. C'est quoi ça? Ok, c'est quelque chose pour la neige. Ouais, il y a des voitures, c'est vrai, mais est-ce qu'on a du gazole? Ça irait plus vite pour aller à Seattle qu'à cheval, mais. En tout cas, j'espère que vous allez bien en cette belle journée à Jackson. Hein. Il y a du soleil, mais. C'est bel et bien la pénombre dans nos cœurs aujourd'hui. Il y a des petits mots partout, putain. On n'est pas dans un cauchemar, hein, les gars. C'est bel et bien réel. Je vais être un petit peu silencieux dans cet épisode, mais. Je suis désolé. Hé. Je peux y aller, dis-moi ce qu'il te faut. Je veux le faire. Ok. Je vais bien. Mais du coup, j'ai tellement de questions. Merci. J'ai trop de questions dans ma tête. Putain, c'est là qu'ils regardaient leur film le soir. Ça devait être ici que Joël s'asseyait et tout. Comment ça va se passer? Est-ce que Tommy. Parce que lui, il sait le secret, il le connaît. Tommy va nous accompagner, je suis sûr. Ou alors il est déjà parti, mais. Il va falloir un moment ou un autre que Ellie soit mise au courant. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, quand vous retournez dans la. Putain, j'arrive pas. Oui, je disais quand vous retournez dans la maison de quelqu'un que vous avez connu. Qui est malheureusement décédé. Je suis désolé, je peux pas, j'arrive pas. Ok, on est de retour. J'ai dû faire une petite pause là parce que j'en peux pas. J'en peux pas. Je perds mes mots, je perds mon français. C'est plus fort que moi. J'espère que vous arriverez à comprendre. Je sais pas si vous avez le même attachement. Que moi avec cette série, je sais pas. Bon, c'est la guitare qu'on est venu chercher. On s'en doute, j'allais faire les autres pièces avant. Ok, si on peut pas revenir. Ah merde. Qu'est-ce que c'est encore? Pour ceux qui savent pas, c'est la montre que Sarah lui avait offert. Sarah, c'est sa fille. Le fusil que Tess lui avait confié. On a une guitare ici aussi. Ça n'a pas l'air d'être celle qu'on vient chercher.
Tout va bien ? Putain, ça va être compliqué cet épisode. Ça va être très compliqué. Mais ça va aller, je vais me ressaisir, il faut juste que... On a même son sac ici, là. Je fais des petites pauses, hein. J'y vais petit à petit parce que ça demande beaucoup. Ah, c'est là qu'il fait, c'est là qu'il fait la vaisselle, c'est ça. Ouais, c'était pas un gars comme les autres, hein. On va aller prendre la guitare et on va rejoindre Dina en bas. C'est vrai que c'était un manuel aussi, c'était un. Gars de la campagne, un Texan. D'accord, donc apparemment on prend pas la petite guitare, peut-être qu'il avait fabriquée pour Ellie. Qu'est-ce qu'il a écrit? Les promesses faites, la nuit tombée, je les tiendrai comme les autres. Je sais pas si j'ai raté d'autres événements. Est-ce que je peux ouvrir encore le journal? Tommy said her name was Abby. Elle n'arrive plus à le dessiner. Et elle peut pas le dessiner son regard en fait. C'est celle-ci la guitare, non? Non. Elle est pas ici. Je la reconnais pas en fait. C'est vrai qu'il nous l'avait donnée, mais j'ai pensé qu'on viendrait la chercher quand même ici. Mais je peut-être qu'au final, je suppute que la guitare se trouve. Chez Joël, putain, chez Ellie, pardon. Maria, je pars pour Seattle. J'ai essayé d'oublier, mais j'y arrive pas. Ces gens paieront pour ce qu'ils ont fait. Ellie va essayer de me suivre, mais tu dois l'arrêter. Prends-lui ses armes, enferme les chevaux, elle aussi s'il le faut. Fais-moi gagner du temps pour régler ça. Ton mari qui t'aime, Tommy. Cette mission, c'est du suicide. Il aurait dû m'emmener avec lui. T'aurais dû nous donner des hommes pour traquer ces enfoirés. Je l'aurais fait si j'avais pu. Alors, tu comptes m'enfermer? Je voudrais que tu restes. Eh ben, même pas en rêve. Je voudrais que tu restes, mais je te connais. Tu l'accompagnes? Ouais. Alors, vous allez filer en douce. Ouais. À pied? Ouais. J'ai dit aux écuries de te laisser partir avec ton cheval. Prends des munitions aussi. Merci, Maria. Ellie, rends-moi un service. Ramène mon abruti de mari en un seul morceau. Bien sûr. Très bien. Alors partez, pendant qu'il fait jour.
Putain, c'est le mont Rainier, les gars. J'ai l'impression d'être à la maison. Un chasseur le maintenait comme ça, pour le noyer. Et... Joël pouvait pas atteindre son arme. Bordel. T'as eu peur ? J'ai même pas réfléchi. J'ai couru, j'ai attrapé son arme et je lui ai tiré une balle dans la tête. T'avais quel âge ? 14 ans. T'avais quel âge la première fois que t'as tué quelqu'un ? Tu parles désinfecté ? Non. D'un vrai être humain. Non infecté. Disons. J'imagine même pas comment Maria doit se sentir. Et il s'est passé quoi ? Parce qu'elles, son mari est encore vivant, mais... Je l'ai poignardé. On n'a pas de téléphone portable. Tu m'as battu. C'est pas ce qui peut lui arriver. Eh ouais, faut pas me chercher. On serait pas un peu paumé là ? Attends, je veux voir leur visage, comment elle... Mais fais-moi confiance. Ok. Ils ont pas trop vieilli, donc ça doit être et pas longtemps après, j'imagine. Et c'est que vous avez rencontré, Joël et toi. Ils vous sont tombés dessus une fois. Peut-être qu'ils ont un lien avec le WLF. Non. Je pense pas qu'ils fassent partie du même groupe. Et pourquoi pas ces contrebandiers que vous avez croisés à Boston ? Joël avait pas mal d'ennemis, Dina. Tu perds ton temps à chercher un responsable. D'accord. On en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Ouais, ça me va, comme ça je peux moi aussi un petit peu parler parce que j'ai pas envie d'empiéter sur l'histoire. Parce que moi aussi j'écoute les dialogues. Attention, on se baisse. Ouais, attention. Les petites fougères, les petites épines des sapins. Attention, ça pique dans les vêtements. Bon bah écoutez les gars, maintenant il faut juste aller de l'avant hein, en soi. On pourra jamais oublier ce qui s'est passé. Mais il faut continuer, faut se battre. Parce que la vie est pas finie hein. Joël aurait sûrement voulu qu'on continue à vivre hein, pas qu'on se lamente sur notre sort. Il y a plusieurs passages, je sais pas trop où il faut aller. Donc c'est ça en fait que disaient les tests. On a des zones un peu plus ouvertes. Mais après tu vois dans une forêt, j'ai pas l'impression qu'il y a des petits dialogues cachés en fait. On va voir. J'espère me tromper. Ellie, des voitures. Ouais, on touche au but. Ouais, on l'a vu. Faut qu'on fasse gaffe. D'accord. Mais donc on est déjà à Seattle en fait. Est-ce qu'on peut descendre du cheval ? J'aimerais aller voir un petit peu là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, une autre carte de super-héros. Question, si tu pouvais avoir un super-pouvoir, tu voudrais lequel ? Je dirais... l'invisibilité. C'est révélateur. Tu t'en servirais pour m'espionner ? T'as tout compris. C'est Dina, je t'en veux pas hein, en soi, t'es quelqu'un qui a l'air... Attends, il y a quelque chose là-bas aussi. Quelqu'un qui a l'air sympa, mais j'ai pas du tout la tête aux blagues là en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, d'accord, c'est juste pour traverser. Mais ouais, là je suis pas du tout en état de rire en fait. Désolé hein, ma très chère nouvelle amie. Bon, où est-ce que je vais en fait ? C'est cool, mais je vois pas de chemin. Vous en voyez un, vous ? Tout droit, peut-être. Par là. Je dois être aussi calme que dans le premier épisode. Et pourtant... Il est tôt, hein ? Il est quoi ? 13h22. Il est hyper tôt, mais... C'est parti. Bon, moi, je me suis trompé. Finalement, tu sais exactement où tu vas. Bah moi je sais pas du tout où je vais. Est-ce qu'on est comme dans le premier jeu où il faut vraiment tout fouiller? C'est hyper dense. Je sens que YouTube va faire des siennes là. YouTube va sûrement me rendre les images un peu tout floutasses. Ok, on va continuer à cheval. Au final y a pas grand chose à inspecter dans le coin. On va se rendre à Seattle. Parce que là on n'est pas vraiment arrivé. Hein. On est encore sur la voie express. Ah là on a quelque chose. Là ça peut devenir intéressant. Reste avec Payette.
Ouais. Reste avec Dimitri Crackers. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce serait pas... Ah, elle ramasse automatiquement. C'est pas mal, ça. Nickel. Les cartes à jouer. Une petite BD, là. Je vois pas trop ce que c'est. Ok. Bienvenue à Seattle. On a la Space Needle. Ok, la grande roue. Oh là là. C'est marrant, ils ont appelé ça le Soundview Stadium. Alors, en vrai, il s'appelle Century Link, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a ici? Le Pinnacle Theater. Seattle Conference Center. Ok. Capitol Hill. Je pense qu'on va passer par Capitol Hill parce que sur des visuels, j'ai reconnu un petit peu les rues et les lampadaires. Donc c'est sûr qu'on va y passer. Hop, t'as trouvé ça, c'est gratuit. J'ai trouvé une carte touristique. Bon, c'est déjà ça. Et pourquoi on peut aller autant dans les détails? Alors certes, vous allez me dire, bah ça y est, on est en monde ouvert. Ils vont pas juste te mettre un petit muret pour te dire stop. Mais moi, j'ai été habitué, et justement c'est avec The Last of Us, premier du nom, j'ai été habitué à vraiment, comment dire, à vraiment fouiller partout. C'est ce jeu-là qui m'a initié à cette pratique. Et c'est ce qui m'a longtemps empêché de faire des let's play. Comment on fait? Ah, faut prendre de l'élan peut-être. Ça m'a souvent empêché de faire des let's play parce que je me disais, bah, j'ai tendance à trop fouiller. Et à l'époque, on pouvait pas trop faire de montage quand on était sur PS3 et tout ça. Déjà, il fallait un boîtier d'acquisition. Donc, c'est pas rien. Ouais, méfie-toi. Ils sont sûrement bien planqués. Ouais, je sais. C'est là, ce qui me fait peur. Ce qui me détruira vraiment, c'est que Tommy ait été attrapé aussi. Mais ça me paraît inévitable, le gars est parti tout seul. Tu peux pas... C'est vrai qu'on sait pas combien ils sont, à quel point ils sont armés, mais c'est lui-même qui... C'est ses propres mots, les gars. Moi, je réutilise les mots de Tommy et je me rends compte qu'en fait, il a juste raison. Et qu'il a pas su se raisonner. Parce que c'est son frère. Nous, c'était notre père adoptif, mais... Son frère, le lien de sang est là, quoi. Wow, okay. C'est ça la fameuse ZQ. Ouais. Fais gaffe en haut. Ouais. Je sais pas trop où passer. De toute façon, ouais, je vais pas vous embêter avec, avec tout ce qui est fouille. Je referai le jeu de mon côté. Ça, c'est sûr. Je prendrai beaucoup plus le temps de justement inspecter chaque recoin. Chaque détail pour vraiment en apprécier et en extraire toute l'essence. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, when you get... Quand tu seras à la porte, cherche le soldat du nom de Kieran. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Donne-lui le kilo et il te laissera entrer. Le kilo de quoi? Parce que j'imagine qu'il y a forcément une sorte de péage. Qu'est-ce que c'est? Rien. J'adore les petits tiroirs où il n'y a rien du tout. Ça me fait vraiment plaisir. D'accord, on peut se la jouer en mode street maintenant, hein. C'est ça qui est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Une mitrailleuse? Je pense pas qu'on ait de choses cachées ici. Par contre, du coup... Ok. Ouais, on risque d'être handicapé si on fait des sauts beaucoup trop grands. Faudrait que je me méfie dans les phases d'action. Il y a une sorte de petit cooldown. Ok. Toujours les petits tiroirs, on peut pas les ouvrir. Ça a l'air d'être des caravanes appartenant à l'armée, hein. Peut-être que je me trompe. Pas vraiment, non. Putain, mais c'est quoi ce truc? Je m'attendais pas à non plus trouver 1 million d'euros, mais bon. Stage of infection.
Infecté, le cordyceps a pris le contrôle de la fonction motrice de l'hôte. Rapide et agile, les infectés de niveau 1 se déplacent généralement en groupe. Ne vous laissez pas déborder. Utilisez l'environnement pour se cacher et attaquer ses victimes par surprise. Attaquez souvent par derrière. Soyez prudent et ouvrez l'œil en les approchant. Infecté de niveau 3, aveugle, mais à l'ouïe développée, repère ses proies par l'éco-localisation. Gardez vos distances. L'attaque des infectés de niveau 3 sont féroces et létales. Niveau 4, les évolutions rares mais dangereuses de l'infecté de niveau 3. Une force incroyable est capable de lancer des projectiles d'acide. Ne les affrontez qu'en cas d'absolue nécessité. C'est les... Comment on appelle ça? Pas les boomers, mais... on peut plus dire ce mot-là maintenant. Depuis que l'autre ministre avait dit ok boomer là. Ok, il y a vraiment plein de trucs à fouiller. C'est des camps de détention. Ce sont des cages? Des cellules. Il y en avait aussi à Boston. Ouais, je me souviens. Je me souviens, mais ça prend une toute autre dimension maintenant. Ok, on n'a rien d'autre par ici. Ah si, on peut continuer là. Ça m'apporte pas grand chose en soi. J'imagine qu'il faut juste passer le portail. Comme dans la lettre. Peut-être qu'on peut escalader. On a l'air de pouvoir monter ici. Regardez-moi ça. J'ai vu quelque chose ici. C'est quoi? C'est pas une arme. Bon, c'est pas très grave. Ah mais ça me perturbe vraiment de pouvoir sauter dans The Last of Us. C'est trop bizarre. Je découvre un jeu et ça me fait extrêmement plaisir. Bon, évidemment vous doutiez bien que j'allais pas me morfondre pendant tout l'épisode. Hein. C'était juste Gina, c'était beaucoup trop grimper. Émouvant dans la maison. Dina, ça te va mieux cette coiffure. Je préfère ainsi. J'ouvre l'œil, t'inquiète. Essaie de voir si tu peux ouvrir le portail de l'autre côté. C'est à moi de monter maintenant. Bonne idée. Ok. On peut faire tout à droite. En passant par ici. Ah mais le gameplay a totalement changé. Ça a bien évolué. Oh putain. J'ai eu peur de la chute. On va se la jouer calmement. Eh, j'ai pas besoin d'équilibre moi. J'ai pensé à tout, je sais me baisser. Et ici, j'imagine que... Oh. J'ai peur de tomber, on est tellement haut. Et c'est tellement bien fait. Ok. Un saut pour la gloire. Ellie ! Je vais bien. J'ai juste failli crever. Ah ouais, c'est à cette hauteur là, ça pardonne pas. Hein. Waouh. Regardez-moi ça. Et le pire, c'est que je reconnais extrêmement bien l'architecture Seattleite. Parce que c'est l'adjectif. Hein. Je reconnais parfaitement l'architecture. Le boulot de l'équipe Naughty Dog. Du design environnemental, c'est incroyable. Allez, on va aller s'ouvrir le portail. Par ici, j'ai bien l'impression. Hop, je redescends. Non, je remonte. Ok. Pour laisser tomber, ok. Waouh. Et j'espère que vous avez un casque parce que l'écho, c'est énorme. Le travail sur le son. Ah la vache. C'est trop bien fait. On a une bouteille, on a une brique. Non, on n'a pas de brique d'ailleurs. Attends. Pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis, donc je peux me permettre. Je préfère la brique.
C'est vrai qu'il y a un débat éternel entre entre briques et bouteilles. Dans le premier, j'étais plus bouteille, je dois bien l'avouer, parce que j'étais naïf. Faut savoir que c'était en 2013, donc j'avais 14 ans. J'avais 14 ans et du coup, je me demande de quand ça date. J'étais naïf et je me disais bah ok, la bouteille fait plus de bruit, donc ça va les distraire. Pour la grande opération qui se profile, Isaac veut récupérer toutes les dernières réserves du centre-ville, récupérer de l'essence au parking du tribunal, au dôme, et rapporter le tout à la base Cerevena. Je dois bien avouer que je connais pas la base Cerevena. Ah, mais mes connaissances se limitent ici. On a un casque ici, si on peut se faire un petit let's play. Voilà, bien sympa. Ok, ça a pas l'air d'être... C'est pas ici, hein, pour ouvrir le portail. Voilà le générateur. Ah bah si, en fait, c'est là. Pas. Check this out, Red Bull. I can turn on a generator. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je l'emmène avec moi, ça? Là. Putain, un nouveau gameplay. Ah, fais chier. Et vous pensez que si j'avais déclenché le générateur après, ça aurait changé quelque chose? Après, je suis peut-être un peu trop dans le futur dans ma tête. Hein. Qui est là? Hey, tout va bien? C'était quoi ce bruit? J'ai pu ouvrir ce portail. Faut que je trouve un moyen d'ouvrir celui-là. Allez, on croit en toi. Merci. Alors, si j'en crois l'architecture... Je vois un truc là-bas. Et le câble, il va falloir suivre la ligne électrique, j'imagine. Ouais, c'est vrai que j'étais agent, moi. Vous connaissez James Bond? Bah, c'est inspiré de ma vie. Un petit peu de tissu, qu'est-ce qu'on peut se crafter? Du soin, toujours du soin. Avec moi, c'est soin en priorité, et après, on verra. Ok, ça a l'air d'être ici. Est-ce qu'on va devoir utiliser la même prise? Tiens, j'ai envie de passer par là. J'ai envie de passer par là. Et c'était le bon chemin. Puisqu'on n'a pas d'autre issue. Ça aurait été stylé qu'on doive réfléchir et utiliser la même prise. Vous savez que celle que je viens de brancher. Ok. Waouh, tellement de trucs. Bon bah c'est pas c'est pas là la suite de l'histoire, mais au moins on a pu récupérer quelques ressources. Certes, on n'a pas les recettes encore, donc on peut pas fabriquer qu'est-ce qu'on a. J'imagine qu'on a des bombes artisanales comme d'habitude. Donc tout se passe ici. Ah oui, j'ai l'impression que ça va être la même histoire. Le câble est peut-être pas assez long par contre. Ah, il faudrait quelque chose pour bloquer. Bon, écoutez, on va tenter. D'accord, il reste ouvert. Bah tant mieux. Ah ouais. C'est pas assez long. Il faudrait passer par en haut. C'est stylé, elle remet la corde. Ok, il faut passer par en haut. Je vais faire ça. Ah merde. Je me suis peut-être un petit peu compliqué la tâche là. Comment je récupère ça moi? Ok. Non, en fait moi je voulais sauter directement avec la corde. Ah merde, j'ai lancé 18 mètres. C'est le fil le plus long de sa vie. Voilà, on va faire ça. C'est mieux comme ça. Ah, c'est con, mais ça me fait rire. Donc, c'est positif, ça me redonne le sourire.
On y est. Et maintenant. Ok. On va ouvrir. Oui, j'aurais pu péter la fenêtre. D'ailleurs, je sais que mon meilleur ami, si tu passes par là, fous les boules. Je sais que tu vas me dire, mais pourquoi t'as pas pété la fenêtre? Je te connais. Mot de passe. Je le connais pas, moi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette galère? Ok, donc c'est assez intéressant. Elle essaye de redessiner Joël. Twin Fall. On a trouvé le camp le long de la route. Si c'est celui de Tommy, on va pas avoir beaucoup de jours. Il doit pas avoir beaucoup plus d'un jour d'avance. On se rapproche de Boise. Dina veut qu'on fasse un détour. J'ai pas envie de rallonger le voyage de 2 jours. Et elle dessine à nouveau Joël. J'ai du mal à dormir, je continue à le voir avec sa tête. Dina a l'air malade. Elle a dû attraper froid. Je me sens plus calme quand elle est allongée à côté de moi. J'ai envie de lui faire plaisir. Oula. Yakima. On a encore vu un camp sur le bord de route. On ne sait pas si c'était Tommy, mais on a vu une personne. On a vu personne d'autre depuis 2 semaines, donc on croise les doigts. Oui, donc pour ceux qui savent pas, tous les noms à consonance un petit peu amérindienne et tout ça, c'est parce que c'est le passé de la ville. Hein. Alors, when you get to the gate. Non, mais c'est pas ça. C'est pas un indice que tu me donnes. Mode d'écoute, je vais m'améliorer quoi? On va améliorer les soins, on peut pas. D'accord, je peux améliorer que ça. Bah ok. J'ai eu le trophée apprenti. Ok, mais alors où est le mot de passe? Main gate. Ok, il nous faut encore un mot de passe. Il y en a bien un qui marche. Comment ça, il y en a bien un? Ah d'accord, il faut que j'aille dans mes documents et que je retrouve la note. Ah voilà. Code des postes. On est où? On doit être au nord, le truc qui est effacé. Attends. Non, on vient de l'est. 53-45. 53-45. C'est obligé qu'on vienne de l'est si on est à Jackson. Alors attends. 5. 3. 4. 5. C'est pas celui-là. Mais si. C'est obligé que ce soit ça. Tu vas voir que ça va être le seul code qu'on peut pas lire. Bah main gate. 0512. Je suis un petit peu débile. 0512. Ouais, c'était écrit, hein. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Je découvre aussi le jeu, hein. Et j'ai pas triché. Yes. Bien joué. Merde. Moi, j'étais là en mode. Bah évidemment, Jackson, c'est à l'est. On a assez traîné dans le coin. Alors c'est obligatoire que ce soit la porte est du coup. Et non. Et maintenant, j'ai trouvé un papier là-bas. Il y a des codes dessus. C'est marqué qu'il y a une planque du WLF dans une base qui s'appelle Cerevena. Ah, j'ai envie de tout fouiller. Mais on n'a pas pouvoir. On va la chercher. On doit pas pouvoir. Avec un peu de chance, on croisera notre premier WLF. Et on le fera parler. Là. C'est un début. Non. On y va. Waouh. Attendez. Admirez-moi ça. On est dans ma fucking ville préférée. Sur ma série de jeux préférée. Est-ce que ce monde est réel en vrai? Non, je vous demande parce que moi il va falloir me pincer là. J'ai l'impression d'être. Je sais pas. Bon allez, au deuxième portail. Il va encore y avoir un mot de passe. Merde, regarde. Hôtel Cerevena. Ça doit être là. On est bien
okay. Dans la bonne direction. Faut trouver le moyen de franchir le portail fuck Fedra. Très original. Au moins, c'est clair. Ah, en plus, on n'est pas loin de Downtown. Plus près. Ah, mais donne-moi la note. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Expulsé, sergent Ward. En raison des assauts répétés du WLF sur nos lignes de ravitaillement, les attaques d'infectés et de la diffusion des spores, nous sommes encore dans l'incapacité de fournir des rations alimentaires prévues. Jusqu'à nouvel ordre, n'accueillez aucun réfugié. Afin de préserver la réserve de nourriture, nous devons multiplier les arrestations et durcir les condamnations. Les crimes de classe 2 sont désormais passibles d'expulsion. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Lieutenant Torres. Abruti. Vous avez monté tout le monde contre vous. Et ouais. Lieutenant Torres, ça me fait penser un peu à NCIS. Même s'il n'est pas lieutenant, l'agent, mais... Ok, on peut passer ici. On a le gate ici qui est fermé, bien entendu. Peut-être qu'on pourra repasser plus tard. Tu là, connais le code voir. Il y en avait plein sur la note que j'ai trouvée. Alors, on est au... Attends. Ça, c'est ma faute. Il faut relancer le générateur du portail, d'abord. Ah oui. Heureusement que tu me le dis. On va suivre le câble. C'est un peu décousu tout ça, mais vous allez voir que au bout d'un moment, je vais prendre le rythme. Ça ira mieux. Ok, c'est parti. Oh, plus d'essence. Putain de merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh merde. La note. Quoi? D'après la note, il y aurait de l'essence au parking du tribunal et au dôme. D'accord. Le parking du tribunal et le dôme. Ok. Bon, comment on fait pour y aller? On explore un peu les environs. On verra bien. Alors, le tribunal. Tu crois que Tony est venu ici? J'en suis sûr. Ok. Je vois pas trop d'indices là-dessus. Bon bah c'est pas grave, on va continuer en mode free roam comme on dit. Puis on reviendra sûrement par ici. Hein. Ouais, j'ai aucun doute là-dessus. On va passer là-bas. On va se diriger vers downtown. Hop. J'ai envie de m'arrêter partout et de tout fouiller. C'est assez pathologique, j'avoue, mais comprenez-moi, essayez de vous imaginer le jeu entre les mains. Vous feriez pareil, j'en suis sûr. D'accord. Ici, ça sent l'embrouille, non? Bon, où est-ce qu'on est? Waouh. On a bien la coupole en face. Je crois qu'on est ici. Ah, cool. Je vais ajouter des notes. Fuck Fedra Gate. Ok, et nous on veut se rendre où? Attendez. Madison. Je sais pas trop. Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce 4e épisode. On est... Ah, il y a bien le logo des Wolves. On est arrivé à Seattle, donc pour l'instant tout va mal. Il y a un petit logo là-bas qui m'intrigue, c'est l'hôpital. On va s'arrêter ici, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il était fort en émotion encore une fois. Mais moi je vous dis à très très bientôt. Mettez-moi un petit pouce bleu, mais bombardez vraiment parce que là on est parti dans l'aventure, on n'est pas prêt de s'arrêter. Abonnez-vous surtout pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Activez la cloche comme ça, dès que la vidéo sort, vous avez la notification et vous êtes en prime time pour suivre l'histoire à mes côtés. Moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.